Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto concernant les contrats de Banshee l'armurier. Donc comme vous le savez, chaque semaine, il vous propose des armes à tester directement sur le terrain afin de pouvoir monter la faction de l'armurier. Et certaines de ces armes vous demandent notamment de tuer plusieurs cabales ou alors plusieurs centurions cabales ou encore des ennemis de la ruche, de faire des kills de précision, etc. etc. Donc, cette vidéo a pour but de vous démontrer qu'on peut tout à fait éliminer à la fois Cabal, Centurion Cabal, Ennemi de la Ruche et faire des éliminations de précision sur une seule et même zone, et cette zone n'est autre que au spawn dans le cuirassé. Donc lorsque vous lancez le mode exploration sur le cuirassé, vous avez un grand vaisseau juste en face de vous, le Dantalion, et au pied de ce vaisseau, il y a régulièrement des confrontations entre les Cabals et les ennemis de la Ruche. Donc il vous suffit tout simplement de rester à cet endroit, pourquoi pas d'activer une petite balise si vous devez tuer un certain nombre de cabales, et tout simplement les ennemis vont s'offrir à vous presque facilement. Vous avez juste à attendre dans cette zone, vous allez avoir des centurions cabales qui vont spawn à plusieurs endroits de façon régulière. Donc vous tournez tout simplement dans cette zone et vous allez pouvoir faire vos 4 contrats en même temps, donc la ruche, l'équipe de précision, les centurions cabales et les cabales. Donc c'est très très simple, toute l'astuce consistait en ça, rester au spawn directement, faire vos éliminations, et n'oubliez pas bien évidemment que les armes, une fois complètement testées, peuvent être démantelées et qu'il n'est pas nécessaire de les rapporter à Banshee. De la même manière, il y a une autre astuce également pour tuer les 10 capitaines déchus, donc celle-ci se déroule directement au Cosmodrome. Donc quand vous lancez le mode exploration, vous vous rendez à l'entrée du bâtiment qui vous mène au relais cosmique, et à l'entrée de ce bâtiment, vous avez 2 vandales et 1 capitaine déchu, donc vous éliminez les 3 et vous allez juste au bout de la map afin d'attendre que les 3 ennemis respawnent. Donc le mieux bien évidemment c'est d'éliminer tout le monde sur la zone, comme ça les ennemis respawnent beaucoup plus vite et vous avez simplement à attendre. Parfois ça va très très vite, parfois le repop est un petit peu plus long, notamment s'il y a du monde dans la zone, mais c'est actuellement la méthode la plus partagée sur internet pour réaliser ce contrat un peu plus facilement et un peu plus rapidement qu'en faisant de l'exploration basique. Donc voilà, j'espère que ces infos vont vous aider, ces petites stratégies vont vous permettre d'aller un petit peu plus vite pour monter votre faction de l'armurier. N'hésitez pas comme toujours à lâcher un petit like, un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao tout le monde !